Louis-Maurice-Adolphe Linan de Belfond, Linambais. Né le 23 novembre 1799 à Lorient. À l'âge de 15 ans, son père, Antoine-Marie, officier de marine, l'embarque à bord de son navire qui a pour mission d'escorter les bâtiments de commerce entre la France et l'Amérique. Le jeune Linan passe ses examens d'aspirant et, en 1817, Linan s'embarque en qualité d'élève de la marine sur la Cléopâtre, qui part visiter la Grèce, la Syrie, la Palestine et l'Égypte pour en rapporter dessins et relevés. Au terme de la mission, Linan, fasciné par l'Égypte, décide de ne pas rentrer en France et, grâce à une recommandation du comte de Forban, entre au service du vice-roi Mehemet Ali. Entre 1818 et 1831, il sillonne l'Égypte de long en large et effectue des travaux archéologiques de haut niveau. En 1831, le vice-roi l'enverra à la recherche de mines d'or en Ned Bay. Toutes ces missions d'exploration, qui suivent de près les conquêtes militaires de Mehemet Ali, ont un caractère essentiellement géographique et archéologique. Mehemet Ali, dans son projet de construire un barrage sur le Nil, avait décidé de faire démonter les pyramides afin d'utiliser les pierres pour son édification. Linambais, effaré de voir ce projet mis en place, utilisa sa position pour bloquer administrativement le projet qui, fort heureusement, avorta. Linambais est un homme de terrain. Parallèlement à ses travaux archéologiques, il s'orienta vers des études d'hydrographie. Dès 1822, se rendant dans le nord-est de l'isthme de Suez. En 1841, il soumet un projet de canal à la Compagnie péninsulaire et orientale et, en 1844, remet à Lesseps le projet complet de liaison des deux mers avec plan et devis. En 1854, lorsque Lesseps obtient du vice-roi Mohamed Saïd le firmant de concession du canal, Linan est nommé ingénieur en chef des travaux, fonction à laquelle est rapidement associé l'ingénieur français Mougelbaie. Il est nommé directeur général des travaux publics en 1862 et devient en 1869 ministre des travaux publics et membre du conseil privé du vice-roi. Le 2 janvier 1850, Flaubert et Ducamp, recommandés par Claubet, rendent visite au Caire à Linambais. Flaubert dira de lui dans ses carnets de voyage « En revanche, Monsieur Linan, c'est à coup sûr l'homme le plus intelligent que nous ayons rencontré, le plus instruit, et le mieux de toute façon. » En 1870, il se retire de la vie active pour se consacrer à la rédaction de ses mémoires sur les principaux travaux d'utilité publique exécutés en Égypte. En juin 1873, le vice-roi lui confère le titre de pacha, et il meurt au Caire, 10 ans plus tard, le 9 juillet 1883, laissant d'innombrables notes, cahiers de voyage et dessins, dont la plupart restent encore inédits.